Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et nous allons voir 5 extensions indispensables pour vos navigateurs, qu'ils soient Chrome, Firefox, Edge, Opera, Brave, etc. Nous pouvons commencer par la première extension que voici, qui est HTTPS Everywhere. Qu'est-ce que c'est HTTPS Everywhere? Protège vos communications en activant automatiquement un chiffrement HTTPS sans le préfixe HTTPS. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez une adresse et qu'elle a un HTTP, elle sera automatiquement redirigée sur un HTTPS. Qu'est-ce que le HTTPS? Très simple. Résout le problème pour toutes les requêtes de site HTTPS, tout simplement. Donc nous cliquons sur l'image. Exemple.com, HTTP, HTTPS. C'est-à-dire que si ce n'est pas HTTPS, ce n'est pas chiffré. Par exemple, vous allez sur un site qui est en HTTP, vous écrivez votre email et votre mot de passe pour vous connecter. On va prendre un exemple tout con. On va prendre Facebook. Facebook, et ben, si vous mettez votre email et votre mot de passe pour vous connecter, et qu'il est en HTTP, ce qui n'est pas le cas, je vous rassure, hein. C'est un exemple, je vous rappelle. Si vous mettez le mail et le mot de passe Facebook en vous connectant en HTTP et qu'il y a un gars qui vient sur votre réseau et que vous appuyez sur le bouton connecter, le gars, il voit tout ce que vous envoyez. Il voit l'email et le mot de passe en clair. Par exemple, si vous avez mis a@b.com là, et vous avez mis mot de passe, et bah, le gars il verra @b.com et mot de passe. Et vous ne voyez pas parce que ça passe par le réseau, tout simplement. Sauf que lui il va savoir et puis hop, il va choper vos identifiants, il va se connecter. C'est ce qu'on appelle simplement le MITM ou le Man in the Middle, l'homme du milieu en français. Or, ça n'arrive pas en HTTPS. En HTTPS, le gars il verra @b.com et le mot de passe il verra un exemple qui va s'afficher à votre écran au lieu de mon mot de passe. Simplement. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà pour l'extension HTTPS Everywhere qui force le chiffrement de toutes vos URL et requêtes. Indispensable. Donc, en plus, c'est même recommandé dans le top 5 de Firefox. Donc, c'est pas n'importe quelle extension. Nous allons passer à l'extension numéro 2. Qui est Igral. Donc, qu'est-ce que c'est Igral? C'est une extension de cashback. C'est-à-dire que lorsque vous payez, par exemple, comme sur l'image, une chaussure Adidas à 599 euros et que le cashback est de 5%, vous obtiendrez 5% des 199 euros dans votre cagnotte. Et si vous cumulez ça à partir de 20 euros, eh bien, vous pouvez demander un virement. Exemple, je fais mes achats en passant par Igral. On me rembourse une partie du montant de mon achat. C'est-à-dire, s'il y a 5%, vous avez payé, vous avez 5% de vos chaussures remboursées. Et donc, si vous n'avez pas activé l'extension, cet achat vous sera facturé 199 et vous n'aurez pas l'extension. Donc, en gros, c'est ce qui s'appelle se faire de l'argent gratuitement. C'est pas n'importe quoi. Je récupère son rendement bancaire, tout simplement. 1521 personnes marchandes, ce qui vous, commande après commande, gagnez en mail en moyenne 120 euros par an avec le cashback. Si vous commandez régulièrement, vous avez en moyenne 120 euros par an par le cashback. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait ça, vous avez perdu 120 euros. Voilà, exemple. SFR jusqu'à 55 euros de cashback. On va faire un exemple tout con. Vous connaissez tous NordVPN, je suppose. Eh ben, on va faire une recherche NordVPN. au lieu de 20. En plus de ça, ça prend les codes promo. Donc 45% offert, plus 3 euros à l'inscription, évidemment. Avec un 70% sur le site qui est le code promo actuel. Moins 69% plus 45, bim, et les codes promo.
Ce qui nous donne un VPN à, disons, 80, 109, on va dire, pour faire simple, on va dire 100 euros. Le VPN coûte 100 euros, ok, pour 3 ans. Ce qui se passe avec IGRAAL, c'est que votre VPN, vous ne payez pas 100 euros. Vous payez 100 euros et IGRAAL vous donne 45 euros, vu que c'est 45%. 45 euros pour avoir à acheter le VPN à 100 euros. Vous n'avez pas activé l'extension, vous avez payé 100 euros et vous avez perdu les 45 euros d'IGRAAL. Ce qui est énorme, 45 euros. Ça vous fait un VPN à 55 euros au lieu de 100 euros. C'est abusé cette extension, je vous la recommande. Et si vous passez par moyen, vous avez 4 euros offerts au lieu de 3. Tout simplement. Donc, à vous de voir. En plus, il y a tous les avis. 1500 partenaires. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Donc, n'hésitez pas à passer dans le lien par la description si vous êtes intéressé. Troisième extension. Justin. La troisième extension que nous allons voir se nomme... Dashlane.com. Qu'est-ce que c'est? C'est un gestionnaire de mots de passe. Mais pas que. Vous voyez les inscriptions longues là. Oui, bonjour, nous avons besoin de votre adresse, votre numéro de téléphone, votre numéro de rue, votre nom, votre prénom, votre âge. Et ça, vous devez le faire à chaque fois, votre email, votre mot de passe. Ça, vous devez le mettre à chaque fois sur tous les sites, c'est hyper long. Vous passez au moins 5-10 minutes à faire ça. Là, vous appuyez sur le petit éléphant. C'est un cheval, hein, mais j'ai fait... Bah, bref, vous avez compris, le petit icône d'Ashland, le petit dé là. Parce qu'avant, c'était un éléphant, voilà, bref. Et vous cliquez sur le petit dé, sur la droite du champ de formulaire d'inscription. Vous choisissez votre nom, parce que vous l'avez déjà enregistré à la première fois que vous utilisez le logiciel. Vous cliquez dessus. Ça vous remplira automatiquement tous vos champs. Vous avez gagné 5 minutes de votre vie. Au lieu de tout remplir, vous vérifiez les infos, vous cliquez sur la case mot de passe, vous faites générer un mot de passe. Vous faites inscription, inscription est terminée. Ensuite, il va vous demander, voulez-vous sauvegarder votre passe, vous faites sauvegarder. Et bim, vous ne connaissez pas votre mot de passe. Vous êtes inscrit. Et il sera connecté automatiquement. Pour voir le mot de passe, vous allez dans le logiciel, password. Vous cliquez dessus, vous avez fait ça, vous faites ça, il y a un petit œil où vous avez cliqué dessus. Et hop, vous voyez votre mot de passe généré automatiquement. En fait, c'est un gestionnaire de mot de passe abusé. Il y a une option premium, comme avec l'extension de cashback IGRAAL, vous gagnez 13%, donc 40 euros et 13%, ça vous fait peut-être, disons, 4 euros. 4 euros de gagné. Donc là, si vous avez fait une NordVPN plus ça, vous êtes déjà à 50 euros de cashback. Moi, par exemple, comme vous pouvez le voir, je suis à 32,68 euros de cashback. Ça va très vite. N'oubliez pas le lien dans la description pour gagner 4 euros. Ou 5, je sais plus c'est combien, mais bref. Ensuite, revenons à Dashlane. C'est un gestionnaire de mot de passe qui est synchronisé avec vos téléphones avec un compte premium. Et en plus, vous avez mot de passe illimité au lieu de 50 maximum, stocké en local. Et là, c'est stocké sur Internet. Tout est sécurisé parce que même eux n'ont pas votre mot de passe. Eux, ils ne stockent absolument rien, donc vous pouvez y aller, c'est sûr. Et si votre mot de passe se fait pirater, ils vont vous le dire. Donc n'hésitez plus. En plus, en passant par mon lien, vous avez 6 mois offerts au lieu de un seul. Donc n'hésitez pas, si vous voulez tester le Dashlane Premium 6 mois, passez par mon lien ou le passez par le site directement. Et tout ce que je vous donne en lien n'est sponsorisé absolument par personne. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les 1000 abonnés, donc je n'ai pas de mode d'inétisation, donc je n'ai pas de placement de produit. Simplement. Alors, et voilà, ils disent eux-mêmes. Vous avez juste à aller sur le site et terminer. Ils ne stockent rien. Comme vous pouvez voir, le site en mode sombre, c'est ce qui s'appelle l'extension Dark Reader. Dark Reader, qu'est-ce que c'est? Ça
ça change, ça met un mode sombre pour tous vos sites, absolument tout, comme Wikipédia, Google, Gmail, etc. Hop, j'ai fait une recherche vite fait. C'est un mode sombre au lieu d'un mode blanc qui est comme ceci. Pour désactiver le mode sombre, vous allez ici. Vous attendez que ça charge. Vous cliquez ici. Et vous attendez. Voilà. Ça, c'est la page Google de base. En mode blanche. Une fois que vous avez testé le mode sombre, vous ne voulez plus retourner. Et c'est activé absolument par tous les sites. Si vous appuyez sur le bouton arrêt, attention, ça désactive pour tous les sites. Alors que si vous cliquez ici, ça désactive uniquement pour votre site à vous. Voilà. Donc, je veux remettre en mode sombre, s'il vous plaît. Parce que le mode sombre, c'est mieux. Et voilà. Très rapide, très efficace. L'extension Dark Reader. Extension Keepa et Review Meta. Ça permet d'avoir un tracker de prix Amazon. Je vais vous montrer l'abusé que c'est. Et Review Meta, c'est pour avoir les notes réelles d'Amazon. Par exemple, vous avez une note d'Amazon d'un objet 4,3. Le problème, c'est qu'avec cette, grâce à cette extension, il y a des faux avis. Et en fait, ça vous permet d'annuler vos avis. Par exemple, pour un objet qui a 4,3 étoiles, on peut en avoir en fait 2,1. Et grâce à l'extension, vous avez les vrais trucs. Donc, tout simplement. Là, l'étoile se correspond à 4 étoiles, 4,1. Donc, c'est-à-dire que tous les avis sont corrects. Voilà. Par exemple, un Galaxy Samsung S20 Plus 4G 128 Go gris, ça vous coûte absolument 780,19 €. Vous avez la 5G aussi, hein, évidemment. Là, vous voir, bon, c'est un exemple. Hein. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est Review Meta. Le téléphone a commencé le 18 mai. À un prix. Allez, le prix de base était le 11 mai 2020, évidemment. Le 11 mai 2020 de 979 €. Il est monté le 19 mai, le 18-19 mai, à 1009 €. Il est descendu 845,37 € le 8 juin. Et il est actuellement, il est remonté le 3 août. Nous sommes le 8 août 2020. Et le prix est de, je vous le donne dans le mille, 780,19 car nous sommes en solde. Et c'est le dernier objet. Bref. Donc, très pratique cette extension pour savoir quand il faut l'acheter. En plus de des statistiques avancées, le plus haut, le plus bas, dans combien de temps ça descend. Vous pouvez même vous foutre un rappel. Je sais plus où c'est, mais je sais plus où il est le truc. Mais en gros, vous pouvez mettre une alerte. Je crois que c'est par là. Là, c'est dans Trek Pollu. Vous pouvez vous mettre voilà ici. Une alerte dès qu'il descend au-dessous d'un certain prix, bim, vous avez une alerte sur votre email ou je sais plus quoi, ou navigateur pour vous dire, hé, votre article machin est passé en dessous d'un certain prix, c'est le moment de l'acheter ou jamais avant qu'il remonte. Très pratique cette extension, cumulée à l'extension Review Meta. Et je le rappelle, là, c'est 0% de fraude, avec un détail complet des choses. Voilà, 4,5, 4,3. 17% de fake. Voilà. Hop, 4,6 au début. Et là, c'est 4,2, la note finale. Donc, vous voyez, il y a quand même une différence de fake. Et hop, vous avez un graphique détaillé. Voilà, à vous de voir ce qui conclut cette vidéo sur Amazon. Donc nous voici mes 5 extensions avec les liens en description pour plus d'avantages pour vous. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et vous abonner à cette chaîne, comme tout le monde dirait.
Et nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un top 5 des logiciels indispensables à avoir sur votre ordinateur après le navigateur. On le dit tous les jours. Donc c'était Amélia, à la prochaine.